Pour son 50e congrès, la CGT s'est installée dans la Ville Rose. Cela n'avait pas eu lieu depuis 77 ans. En Haute-Garonne, la CGT compte quelques 15 000 adhérents et s'annonce première organisation syndicale du département. Les défis locaux ne manquent pas. C'est relever le défi d'une réindustrialisation diversifiée dans le département de la Haute-Garonne, voire dans la région. On a des potentiels industriels, mais qui sont beaucoup tournés sur l'aéronautique et l'espace, et que nous voulons, nous, une diversification industrielle, mais nous voulons aussi des emplois publics. Sanofi, c'est emblématique de ce que aujourd'hui les grands patrons et le capital veulent se faire subir aux salariés et aux populations. Ça veut dire faire toujours plus de fric, en ayant de moins en moins d'emplois. D'ores et déjà qualifié d'historique, ce congrès va enregistrer la passation de pouvoir entre Bernard Thibault, à la tête du syndicat depuis 14 ans, et Thierry Le Pen. C'est un changement, puisque ce sont deux responsables qui se succèdent, mais la CGT, elle reste la même, à disposition du monde du travail. Et que ce soit Bernard ou Thierry Le Pen, ils auront à cœur de faire en sorte que justement la CGT, la base de la CGT, puisse travailler, et c'est eux qui font le syndicalisme d'aujourd'hui et de demain. Délégués syndicaux, représentants des fédérations, délégations nationales et bénévoles, environ 2000 personnes devraient participer au congrès.